J'ai gardé mon âme d'enfant et dès qu'il neige, je deviens dingue. Et en fait, je réalise un truc tout bête, c'est que je me demandais si on pouvait golfer sous la neige. Donc en fait, plutôt que de me poser la question, je me suis dit, allez, on y va. Donc je vous emmène golfer sous la neige, on est au golf d'Ablège. Normalement, il est fermé, mais j'ai eu l'autorisation d'aller jouer. Et on va tester, je ne sais pas du tout. Alors on va tester la première expérience, je vais golfer sous la neige, mais avec une balle blanche. On va voir ce que ça donne. Tiens, t'es devant, ouais, voilà. Putain, déjà déjà, j'ai pas de place pour mettre le tee. Oh merde! C'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi, j'adore! Je suis carrément pas échauffé. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Alors, balle blanche, est-ce qu'on va réussir à la voir partir? Allez, putain! Elle est là-bas, un peu en vrac. Bon, à mon avis, elle est morte. Donc du coup, deuxième expérience, je vais la faire, mais avec une balle de couleur. Allez. Je crois qu'on va pas aller loin. Ah. Alors je l'ai vu elle, ok. Ça marche, ouais. Alors maintenant, est-ce qu'on va la trouver? Est-ce qu'il a volé où l'outil? Bon, je sais pas où il est. Ça pèle. Allez, on se met en live. C'est parti. Je prends cette cam là. Ah, je sais pas si vous entendez le crépitement de la neige. C'est énorme. Un môme, hein, je vous dis un môme. Et là, on est au golf d'Ablège, c'est magnifique. Il y a les pieds qui crépitent. Wouah! Je kiffe. Alors, c'était une balle verte. En fait, l'expérience va tourner court. Hein. Est-ce qu'on peut golfer sous la neige? En fait, je crois pas. Je trouve plus ma balle.